Vous n'en avez pas forcément entendu beaucoup parler, ou alors très peu, ou alors beaucoup, je ne sais pas, mais il y a des élections les 20 et 27 juin prochains. Donc au moment où je vous parle, en fait, c'est une question de jour. Pourtant, les seules choses que vous avez entendues, c'est que tel politicien veut avoir sa région, ou alors garder sa région, son département, soit pour se recycler, soit pour se donner une image de présidentiable pour l'année prochaine. Bref, de la com', de l'image, est toujours centrée sur le Graal actuellement, la sainte élection présidentielle. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, en fait, vous allez vraiment voter si vous allez voter dimanche 20 juin et dimanche 27 juin. À quoi ça sert un département? À quoi ça sert une région? Qu'est-ce que ça décide? On va même se payer le luxe d'expliquer si c'est intéressant ou pas de se déplacer. Alors, en France, en métropole, pour les régions, on en a désormais 12. Avec la collectivité de la Corse en plus, ça fait 13. Et ça, c'est depuis la loi NOTRe, la loi de nouvelle organisation du territoire de la République, qui date de 2015. Cette loi, c'est aussi elle qui définit les compétences des départements, qui sont, eux, au nombre de 101. On avait déjà parlé, d'ailleurs, de cette loi NOTRe, quand j'avais fait une vidéo, sur les élections municipales, il y a un an, puisque, en fait, c'est la même loi qui définit les compétences des communes, des départements, des communautés de communes, des régions, etc. Revenons donc à nos régions et à nos départements, puisque c'est ça qui nous intéresse là maintenant. Déjà, comment s'organise le pouvoir dans ces collectivités-là? Eh ben, c'est une assemblée qui a ce pouvoir, le conseil régional ou le conseil départemental selon la collectivité, qui sont deux assemblées distinctes, hein, qui contiennent chacun un certain nombre de conseillers, un nombre qui est fonction de la population de la collectivité. Par exemple, si on prend la Bretagne, il y a 83 conseillers régionaux, et si on prend la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh ben, il y en a 204 des conseillers régionaux, en fonction de la population, on a dit. Et pour les départements, par exemple, les Côtes-d'Armor ont 54 conseillers départementaux, et le Rhône en a 26. Ces conseillers sont élus tous les 6 ans, et c'est là que ça va changer entre les départements et les régions, on va donc s'intéresser à l'une puis à l'autre. Les conseillers régionaux sont élus via un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Alors concrètement, quand on vote du coup, on vote pour une liste qui va être une liste qui contient entre les départements de la région avec tout un tas de noms. Cette liste, elle peut être élue au premier tour si elle obtient plus de la moitié des suffrages au total. Et donc ça malgré la présence de potentiellement plein d'autres listes. Donc dans ce cas-là, en plus des 50% de sièges de conseillers à cause du fait d'être premier, hein, d'avoir plus de 50% des suffrages, il y a une prime majoritaire de 25%. En gros, si une liste gagne au premier tour des régionales, elle a d'office 3 sièges de conseillers régionaux sur 4. Le siège restant va se partager entre les autres listes selon leur score. Bon, ça c'est un cas très très rare, le plus souvent on va en fait avoir un deuxième tour avec les listes qui ont fait plus de 10% des voix, sachant que les listes ayant fait plus de 5% peuvent fusionner avec les listes ayant fait 10% pour pouvoir se maintenir ensuite. Et là, au second tour, la liste qui arrive en premier a d'office 25% des sièges, donc un siège sur 4, sachant qu'ensuite les sièges restants se répartissent entre les différentes listes. Et alors, à quoi sert le conseil régional? Eh bien, ce conseil, déjà, il élit un président et des vice-présidents qui vont former ce qu'on appelle la commission permanente. Cette commission permanente, elle va remplacer dans les faits le conseil régional lui-même entier quand il va pas se réunir. En fait, cette commission, elle peut récupérer carrément ses attributions, sauf des attributions très spécifiques comme le vote du budget et des choses qui sont à peu près du même ordre. Le conseil en lui-même, il se réunit au moins une fois tous les 3 mois, et donc le reste du temps, c'est le président et les vice-présidents qui forment la commission permanente, qui exercent de fait le pouvoir de ce conseil régional. Et quel pouvoir du coup à la région? Quel pouvoir à le conseil régional? Officiellement, c'est l'article L4221-1 du Code général des collectivités territoriales qui définit les compétences des régions. Le conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région. Le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat. Le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine. Et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales. En gros, tout ça,
c'est beaucoup de dispositifs d'aide financière et de subventions. Des choses qui sont parfois assez floues, hein, vous avez vu, développement économique, social, tout ça. Mais faut bien se dire que la région, on l'a dit, elle a elle doit justement promouvoir le développement dans tout un tas de domaines, et donc forcément, ça peut pas être aussi précis que ce que ça pourrait être. Donc, en fait, c'est assez logique que le texte soit assez flou. Mais on a aussi des compétences qui sont vraiment très précises. La gestion des lycées, par exemple, c'est la région. Le logement, on l'a vu, c'est la région. Les transports régionaux ou la formation professionnelle, c'est aussi la région. Le département fonctionne aussi sur une assemblée délibérative, mais l'élection ne se fait pas via un scrutin de liste. En fait, dans chaque circonscription, qu'on appelle un canton, on a des candidats qui se présentent. Un seul est élu et va donc siéger au conseil départemental, qui est l'assemblée du département. Le conseil, il est donc composé de gens élus localement, voire très localement. D'ailleurs, pour remettre un petit peu les choses au point, parce que c'est vrai que on a beaucoup entendu parler de conseil général. En fait, conseil général, c'est le nom de avant la loi NOTRe. Maintenant, le nom, c'est conseil départemental. Donc le conseil général, c'est l'ancien nom du conseil départemental. Et comme le conseil régional, il doit se réunir au moins une fois tous les 3 mois, et hors de ce temps-là, c'est une petite structure, une commission permanente qui va assurer les fonctions de ce conseil. Il y a un président du conseil départemental et des vice-présidents qui vont composer cette commission permanente. C'est exactement le même fonctionnement que pour le conseil régional, encore une fois. Les compétences du département, par contre, sont bien plus précises que celles des régions. La gestion et l'entretien des collèges, l'action sociale, les routes et les transports départementaux, l'équipement rural et les actions culturelles et sportives, et en tout dernier, les pompiers, le SDIS. L'action sociale, c'est le gros pôle de l'action du conseil départemental. Alors on va préciser un peu, c'est plus de 54% du budget en général. En gros, ça concerne toutes les aides pour les personnes vulnérables. L'aide à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le soutien aux familles, les MDPH, les maisons départementales des personnes en situation de handicap. Il y a aussi la gestion des maisons de retraite qui appartient au département, ou bien celle du RSA. Et donc, maintenant que vous connaissez les compétences des régions et des départements, de toutes ces collectivités, j'aimerais que vous alliez voir tout simplement les tracts que vous avez dans vos boîtes aux lettres, que vous avez reçus dans vos boîtes aux lettres, pour ces élections, et que vous me mettiez en commentaire les trucs qui sont complètement hors sujet, que vous avez trouvés dans les bulletins. Au hasard, par exemple, les mesures sur la sécurité pour les départements, alors que ce n'est pas du tout de la compétence des départements. Résumons. Les élections départementales et régionales permettent le renouvellement tous les 6 ans des conseils départementaux et régionaux. Les membres de ces conseils sont élus par un scrutin de liste pour les régions et par un scrutin de circonscription par canton pour les départements. Les deux conseils vont déterminer les décisions à prendre dans leurs compétences respectives. Pour ces compétences, l'AFP a fait une très bonne infographie qui résume les éléments principaux en termes de dépenses pour ces conseils. Donc pour la région, par exemple, ce sont les transports, la gestion des lycées, la formation professionnelle et les aides économiques qui forment la plus grande part des dépenses du conseil régional. Pour les départements, c'est l'action sociale qui est très très majoritaire, donc les aides à l'enfance, le RSA, les aides pour les personnes âgées et celles en situation de handicap. Ensuite viennent les transports et les aménagements, par exemple les routes départementales, la gestion des collèges et enfin le SDIS, les pompiers. Comme pour toutes les collectivités françaises, en fait le reste peut être partagé soit entre départements et régions, soit avec les communes, les communautés de communes, soit même parfois avec l'État ou carrément avec l'Union européenne. Et du coup, sachez que si vous votez à ces élections régionales et départementales, eh bien vous allez élire des gens qui vont agir sur ces compétences-là et pas d'autres compétences. Et donc, maintenant qu'on a précisé tout ça, est-ce qu'il faut aller se déplacer pour ces élections ? Bon, en vrai, moi je vais pas vous dire ce qu'il faut faire, hein, c'est à vous de voir. Si les compétences que je vous ai dit là vous intéressent, bah allez-y, sinon non. Hein. Personnellement, je trouve qu'il y a des éléments intéressants sur les transports, sur les aides sociales, tout ça. Mais en réalité, il y a aussi un élément qu'il va falloir prendre en compte là-dedans, c'est que voter les 20 et 27 juin 2021 ne servira pas que à ces compétences-là.
Alors c'est un effet relativement marginal, mais l'an prochain, en 2022, il y a les élections nationales, les présidentielles, enfin la présidentielle, les législatives, et lors de la campagne présidentielle, il va y avoir des temps de parole et d'antenne qui vont être attribués aux partis et aux candidats, du coup, selon ce qu'on appelle leur représentativité. Parce que les 15 premiers jours, enfin les 15 jours avant le premier tour, c'est l'égalité entre les candidats à ce niveau-là, mais un petit peu avant, encore 15 jours avant, eh bien le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, va regarder si les chaînes de télévision, si les radios attribuent bien leur temps aux candidats en fonction de leur représentativité. Ces élections départementales et régionales, elles vont servir pour juger cette représentativité, et en fait c'est assez logique, parce que tout simplement c'est les dernières élections avant la présidentielle. Donc ça comptera pour donner à tel ou tel parti plus de place à la télévision par exemple, plus de place à la radio, et ça c'est pas rien. Il y a aussi un impact sur le financement des partis politiques qui sont liés à cette représentativité. On y reviendra pour le coup dans de futures vidéos, c'est un sujet en lui-même. En tout cas, j'espère que cette explication vous aura servi. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si c'est le cas, de vous abonner, de mettre la cloche. Si ça vous a servi, n'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas de mettre en commentaire les plus gros bullshit des candidats à vos élections départementales et régionales, leurs promesses qui sont magnifiques sur des thèmes qui ne sont absolument pas dans leurs compétences. Et si les brochures électorales sont parfois fausses, voire mensongères sur les compétences qui sont prêtées aux collectivités, eh bien elles peuvent aussi n'être constituées que de langues de bois. Et ça, là-dessus, j'ai fait une vidéo justement pour parler de la langue de bois. Si vous souhaitez la détecter, je vous invite à aller la voir. Je vous souhaite le meilleur, et à très bientôt.